L'intérêt du masque FFP2, c'est qu'il est plus efficace. Ça, c'est certain. C'est quand on est dans des situations où les contaminations sont très à risque. En particulier si on est face à quelqu'un qui est potentiellement contaminé, donc en ce moment c'est un peu tout le monde, et surtout quand on est face à quelqu'un pendant beaucoup de temps, 15 minutes, 20 minutes, encore plus une heure. Là, ça peut être vraiment intéressant. Si on est en réunion par exemple, ou si on est dans un train longue distance, ça peut être intéressant. D'ailleurs, les autorités italiennes ont recommandé dans les transports en commun de porter le masque FFP2. Il y a des situations où un masque chirurgical suffit amplement quand on est en extérieur. On sait déjà que le risque de contamination est faible et avec un masque chirurgical, c'est largement suffisant. Les avantages du masque FFP2, c'est qu'en condition expérimentale, il est clairement plus efficace pour éviter de contaminer et surtout de se contaminer. Pour trois raisons. D'abord, parce qu'il est très filtrant, il filtre les toutes petites particules, celles que l'on fabrique quand on respire, quand on parle, quand on sente a fortiori, et qui contiennent du virus. Ces toutes petites particules, elles ne sont pas filtrées par le masque chirurgical. Deuxièmement, le masque FFP2 va davantage adhérer au visage, avec donc moins de risques de contamination. Et troisièmement, son efficacité dure jusqu'à 8 heures, alors que le masque chirurgical, sa capacité à filtrer, c'est 4 heures. Donc oui, c'est efficace. En revanche, il y a un inconvénient de taille, c'est qu'on a beaucoup plus de mal à respirer, puisque par définition, ça va bloquer en grande partie l'air, et donc c'est beaucoup plus dur à supporter. C'est pourquoi quand on décide de porter ce masque ou ce masque, il faut se demander est-ce qu'on va être capable de les porter. Et si on a du mal à le porter, il vaut mieux se rabattre sur le masque chirurgical, parce qu'un masque chirurgical bien porté et porté en permanence, c'est plus efficace qu'un masque FFP2 qui serait porté de manière intermittente, même quand on est face à des situations de contamination.